Lorsque l'enfant sait nommer les symboles de 11 à 19, nous lui présentons les quantités correspondantes. Sortir les unités représentées par des barrettes de perles de différentes couleurs. Afin qu'il se les approprie, invitez l'enfant à former un triangle en plaçant tout d'abord la quantité 1, puis en plaçant la quantité 2, puis la quantité 3, et ainsi de suite jusqu'à 9. Montrez ensuite à l'enfant comment associer la bonne quantité à chacun des symboles. Tu te souviens ce que c'est ? 11. 11, c'est 10 et 1. D'accord. 10 et 1. Invitez l'enfant à dénombrer pour vérifier que la quantité totale est bien 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu te souviens ce que c'est, Camilla ? 12. C'est 12. 12. Tu te souviens ce que c'est, 12 ? Oui. 12, c'est 10. Et 2. C'est 10 et 2. Tu veux compter, Camilla ? Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. S'il le souhaite, invitez l'enfant à poursuivre. 14. Mmh. C'est 10 et 4. Mmh. 14. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si l'enfant en est capable et qu'il ne le fait pas spontanément, invitez-le à surcompter. Camilla, qu'est-ce que c'est ça ? C'est une dizaine. Mmh. C'est combien une dizaine ? 10. 10. Alors, tu n'as pas besoin de compter. Tu sais que ça, c'est 10. Oui. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bravo! La première fois, l'enfant aura certainement besoin de notre présence jusqu'à la fin de l'activité. Ensuite, il pourra la reprendre seul ou avec un camarade.